Eh bien, bonjour à tous et à toutes, Italo 1999-1960, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda, Twilight Princess. Écoutez, j'espère que vous allez bien, ben moi ça va super, content de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 5, puisqu'on a sauvé Firon, l'esprit qui est censé être dans cette fontaine, mais qu'on voit pas, c'est génial. On a sauvé Firon en remplissant son calice de lumière, on a pu devenir héros, enfin manier l'épée comme il se doit. Et puis voilà. Et là je voyais, il y a un étrange lag. Et du coup je me demandais pas, tout va bien. Je me demande si on peut pas pêcher du poiscaille, de la poiscaille. Ouais, c'est ça, hop. Bon, est-ce qu'on va prendre le premier poisson là qu'on avait eu avant? Vous attrapez un goujon de 29 cm, du fredin que l'on trouve partout. Vous avez établi un nouveau record, votre carnet de pêche au cou a été mis à jour. Vous pouvez empêcher, oui, ouais. Mais je pensais qu'il y avait un deuxième poisson ici, parce que... juste de me faire craquer droit. Il y avait un deuxième poisson, ça j'en étais sûr. Oh, mais là je crois que c'est un goujon qui a encore mordu. Ouais, c'est encore un goujon. Alors excusez-moi, hein, on va peut-être faire de la pêche tout le temps là, mais je veux le poisson que j'avais eu tout à l'heure, parce que si vous voulez, c'est pas la première fois que j'enregistre cet épisode. Continuons, grand. Merci. Allez. Bon, bref. J'y arrive pas. Hop. Bah oui, c'est logique, hein, quand on n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, je me... Oh, quand tu veux, merci. Alors... Bien, hein, je crois que les armes que j'ai eu tant de mal à obtenir pour toi vont enfin t'être utiles. Donne des coups d'épée avec la Wiimote et abris-toi derrière ton copier, ton couplier, tout va bien, ton bouclier avec Z. Tu peux me dire merci. Mais non, je ne te prends pas pour un idiot. Pense à dire merci. Oh là là, les XPTD, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est drôle cette Midona. Ta gueule toi, merci. Le mec absolument pas patient là, vous chantez. Oh. Merci. Voilà, ça c'est fait. On récupère quelques petits rubis au passage. Hop, et là. What the hell ? On coupe des herbes, c'est marrant. On est. En fait, Link est jardinier de profession, c'est. Il nous a tous cachés. Enfin, Itago, pardon. Enfin. Non pas moi, enfin. Vous avez compris. Du coup, moi sûr. Aïe, moi sûr. Mais c'est bien ce que je pensais. Tu es le gars de toile, hein. Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette tunique, j'avais un léger doute. Ah, bon. Ah, au fait, je ferai attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au temple sylvestre. Et oui, nous allons nous diriger vers le temple sylvestre. Oh, mais peut-être que tu voulais y aller. Tu as l'air équipé pour, tu me diras. Tiens, je te donne. Tant de gentillesse, merci. Tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré bouillard ces derniers jours. Sans lanterne, tu n'y verras rien. Si tu as l'intention, ouais. Pas d'avis à terre. Il nous propose d'acheter un flacon rempli d'huile. Mais c'est le flacon plus huile, si vous voulez. Il nous offre un flacon en même temps. Non, je veux juste faire le plein, merci. Donc on va faire le flacon vide. Voilà. Du coup, on va faire juste le plein, mais cette fois-ci de la lanterne. Parce que ça coûte 10 fois moins cher, ça coûte que 20 rubis. Enfin 10 fois, non, ça coûte 5 fois moins cher. Parce que, étonné, ça fait que 20 rubis. Voilà, après, je vous laisse faire le calcul, vous êtes assez grand de toute manière. Donc voilà. Donc, on a ouvert cette petite porte et nous engouffrons dans une grotte, dans la grotte lugubre, où on devait aller chercher Fenrir et le macaque. Lors de notre dernière expédition à l'intérieur. Voilà, donc toi tu te calmes direct là. On leur apprend un peu en même temps le respect, hein, parce que genre, les monstres d'aujourd'hui, hein, ça respecte plus rien du tout. Et toi, tu veux te calmer, mais direct. Hop, voilà. Ça donne, c'est des canards qui a une certaine de la marge. Ils font les bannis, hein, et ils font quoi. Bref. Si, c'était une anecdote très sympathique. Et donc là, nous arrivons enfin dans la forêt de Firon. Enfin. Wow, ce brouillard de taré. Oh, on voit que dalle. Euh...
Ok, donc ça veut dire qu'on peut pas aller dans le brouillard. Enfin, je pense que ça veut dire ça, hein, pas sûr. Et là? Ok. Le singe au calme, il dit non, tu ne l'auras pas ta lanterne. Ah, ok, donc il nous demande de nous fuir par une occasion, le mec a peine gonflé. Hein. Hey, qu'est-ce qu'il lui prend? Et toi, tu peux pas faire attention, tu n'as plus de lanterne maintenant. Bah bon, c'est mon TG, toi, t'es qu'une ombre. Ok, bon, on doit le suivre. En même temps, il nous ouvre la voie, ça c'est plutôt pas mal, je vais pas dire non. Allez, mourant. Hop. T'es un peu là. Allez, t'es un peu là. On arrive à avoir quelques rubis comme ça. Ça pourrait pas être plus mal. Regardez, rubis bleu. Ah, merci. Vous obtenez un rubis bleu. Un rubis bleu vaut 5 rubis verts. Merci. C'est pas comme si c'était la 20e fois que tu nous le disais depuis le début. C'est un peu lent hein, quand même tout ça. Ce serait bien qu'il accélère un peu le rythme. Allez, mais oui, mais je suis derrière toi. T'en fais pas. Oh là là, mon dieu. Mais quel boulet ce chat. Oui, ça c'est vachement un chat. Quel boulet ce macaque. Oula, 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 oula. Ah d'accord, parce que non content d'être lent, tu es peureux mon grand. Ok, une fleur sur la tête, c'est peut-être une fille, mais bon. C'est un macaque dans tous les cas. Hein. Allo. C'est là. C'est là. C'est la lentitude. C'est très la lenteur. Ouais, mais vas-y, mais... Mais pourquoi on doit faire un aussi grand détour pour aller là où on veut? Oui, oui, j'arrive. Oula, 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 là, là, on va s'attaquer à du très gros. TG. TG, merci. Deux fois. Hop, on récupère quelques munitions. Et puis enfin, on arrive à une sorte de colline qui va sûrement nous amener à la folie. Oui, 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 je suis là. Oula. Ouais, c'est bon. Donc ça, ça va nous amener au temple sylvestre que je vous l'appelle. Regardez sur la petite map. En bas à gauche, enfin à gauche, là, en plein milieu, il y a une lueur verte. Oui, quoi? Oh, mais donc! Genre. Ok, donc ça, il nous rend notre lanterne. C'est pas plus mal, hein, à vrai dire. Vous avez récupéré votre lanterne, votre guide simiesque l'a vidée pour vous faire traverser la brume. Ouais, je pense que ça va être pas mal passé, mais bon. Du coup, regardez comme Italo a tout prévu, sérieusement. Un Italo, c'est intelligent. Voilà. Voilà. Ah, du coup, on a fait le stock. Enfin, on est plein de chez plein, on est rempli à ras-bord. Et puis plus tard, on verra si on ne pourra pas... Ah ouais! Ah ouais, allez, mais attends, mais moi je t'attends, mais moi je t'attends, mais moi je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Allez, mais c'est qui le patron? Sérieusement? Voilà. Tant de nullité chez... Ok, donc il y a un truc doré là-bas. On va voir ce qu'il veut. Bienvenue à acheter, quelque chose. C'est quoi ça? Lire. Huile à lanterne, ok. Il ressemble un peu au mec qui nous vend de l'huile. Potion rouge. D'accord, on va prendre de l'huile. Donc là, si je m'en... d'après mes souvenirs, je crois qu'on a le choix de payer ou pas. Mais depuis qu'on avait... Enfin... Quand j'avais pas payé, je me rappelle qu'il nous pourchassait. Mais elle, c'est bon. Merci, j'espère vous le voir bientôt. Je me rappelle qu'il nous pourchassait jusqu'à la mort. En mode, je vais vous tuer. Oula, 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 oula. Ah, il est stylé ce loup, hein, sérieux. Il nous a mordu la tête. On est mort. Bon. Bon, mais écoutez, les gens, c'est fini pour ce let's play. On se retrouve pour un prochain. Non, mais d'accord. Oula, les développeurs ont fumé de la drogue avant de faire ça. Ah ouais, tu piétines. Ah ouais, tu piétines. Mais regarde comme je piétine moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? On s'est pris une raclée monumentale. Une âme sans courage est une âme impuissante. Tu es celui que les vicissitudes du destin ont désigné comme héros, mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au verre que tu abords. Bah si tu veux, je me mets en bleu, y'a aucun problème.
Le courage est vain sans force, mais sans courage, la force n'est rien. Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. Si tu désires trouver le vrai courage, secourir Hyrule menacé par cet immense péril, tu dois suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. Ouais, le mec, ça sent pas trop puissant. Bottes, coup de grâce. Oula. Excusez-moi les gens. Un ennemi robuste ne pourra pas être mis à terre par tes coups. Il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de toxir normalement. Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui pendant avant qu'il ne reprenne ses esprits. C'est une botte mortelle. Pendant que ton ennemi est à terre, fixe-le avec Z et presse A pour te jeter dans les airs et retomber en donnant un coup fatal. Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras coup de grâce A flotter devant tes yeux. Vas-y, montre-moi si tu as compris. Oh, le truc trop stylé. Ce mec. Et voilà, comment planter dans le ventre d'un squelette une épée. Le truc trop utile. Ton attaque fut d'une précision satisfaisante. Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter... À l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce avec A. Tu as maîtrisé le coup de grâce. Ta-na-na-na. Ok, donc le mec qui plante son épée dans le sol en mode je suis un trisomique. Ah, j'adore ce truc qu'il fait avec son épée, sérieux. Tu as pris le coup de grâce, mets ton ennemi à terre, fixe-le avec Z et presse sur A pour l'achever de ce coup fatal. Ok, il te reste encore 6 bottes à maîtriser. Ça nous fait 3 paires, lol, enfin si vous avez compris. Bref, seul est digne de cette technique celui dont les veines charrient le sang du héros, celui en qui réside l'esprit d'un noble animal. Comme toi? Que croise ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens en ces lieux pour ton prochain enseignement. Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. Et n'oublie jamais, une âme sans courage est une âme impuissante. Adieu. Alors, il nous a parlé d'un hurlement dans le vent, bref, peut-être, peut-être. On sait toujours pas ce que c'est, moi non plus, j'ai aucun souvenir là sur le coup. Enfin, je sais juste qu'en tant que loup, on peut chanter. C'est tout. C'est tout ce que je me rappelle. Oh non, mais sérieusement, fais pas le malin. Non, mais fais. Ah oui, coup de grâce, coup de grâce, coup de grâce. Aïe. Oh, tu m'as pas laissé faire mon coup de grâce, t'es sérieux, gros? Non, non, mais c'est pas drôle. Putain, ils sont pas drôles, les gobelins, sérieusement. Oula. J'adore ces buissons. Par contre, ces buissons sont très drôles. Non, du coup, on a re-rempli notre lanterne et on va pouvoir brûler ça à mou. Hop, on range. Et nous rentrons enfin dans le temple sylvestre. Enfin, je crois. Enfin, je crois. Eh, fais pas le malin, toi. Merci. Fais pas le malin, toi non plus. Merci. Hop, merci pour le petit rubis. Du coup. Temple sylvestre, les amis, nous y sommes enfin! Enfin, notre tout premier temple. Donc avant d'aller là-bas, on va voir un peu ce qu'il y a de là, parce que j'ai l'impression, ouais, ça fait. Il y a bel et bien des araignées, et quand tu veux. Voilà. Voilà. Allez, monte. Allez, monte. Juste, excusez-moi, je vais juste faire un petit truc. Paramètres. Volume. Merci, comme ça, vous entendrez pas le son du lance-pierre derrière. Oh mon dieu, mais qui est lent. Mais que c'est lent. Voilà, je me rappelais pas que c'était si lent que ça. Oh mon dieu. Quelle lentitude. Ah, un petit coffre, direct. On est comme ça, nous. Vous obtenez un rubis jaune veut dire rubis vert. Merci. C'est tout? Bon, c'est tout, hein. Mais c'est déjà... Oh la folle, oh la folle, oh la folle, oh la folle, en plus ça m'a mis des dégâts. Je te baise, moi, tiens. Oh, mais. Genre, je me fais défoncer, hein, je sais pas. Non, mais toi, tu vas te calmer. Oh oh oh. Coup de grâce? Non, mais pas coup de grâce. Ah, on peut voir que c'est le même type de cage dans lequel il était enfermé. Avec finir, du coup, on va tout casser, yamater, voilà. Le singe ne nous dit même pas merci, d'accord, en mode allez couilles frère.
Hé, ce n'est pas lui qui t'a volé la lanterne. Encore qu'il faudrait plutôt dire elle. Et ben alors, tu vois pas qu'elle te fait signe? Tu plais beaucoup aux femmes, on dirait. Lol. Je lui donne l'Oscar de la meilleure blague, hein, sérieux. Wow. Allez, allez, allez. Merci. Ouais, juste que c'est ça. 2 minutes. Hop. Tac, non, on coupe un peu les herbes. Tac. Ah, tu joues. Voilà. Alors, donc ça, je me rappelle, ça c'est bien et bien là. Oula, 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 oula. C'est quoi ça? Oula, ouais, hey, 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 moi je te veux aucun mal, je te veux aucun mal, je te veux aucun mal, moi, d'accord? Coup de grâce. Oh, je déteste ces derniers, sérieusement. On allume, on allume, on allume, on allume, on allume, on allume, on allume. Hop. Hop. Toujours tout allumé. Voilà, toujours tout allumé. Ah, bah, oh, en plus, il nous débloque la suite. Hop, un coffre. Hey, nickel. On a la carte du donjon. Donc la carte du donjon nous permet de voir toutes les petites pièces de ce donjon. Donc il est sur un étage celui-là. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, on peut voir. Oh, le petit signe. Petite dédicace à The Legend of Zelda Ocarina of Time avec l'émeraude Kokiri représentée. Wow, wow, wow. Un coffre en haut, chelou. La petite émeraude Kokiri représentée. Petit clin d'œil assez sympathique, faut l'admettre. J'ai pas confiance en ce pont, je sais pas pourquoi. J'ai pas confiance en ce macaque, je sais toujours pas pourquoi. J'ai pas confiance à ce bon moment. Non, j'arrête. Ouh, il a de belles petites paires de fesses. On a envie bien de beauté. Ok, donc merci de pas y être allé. Enfin, merci d'y être allé avant moi plutôt. Du coup, tu veux qu'on y retourne? Oh là là. Eh, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Ben alors, il ne cause plus? Bon, ben tu ne peux plus passer, retourne sur tes pas. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais elle a l'air de vouloir te montrer le chemin. Je serai toi, je la suivrai. Or, tu n'es pas moi? Non, je sais pas. Bon, ben du coup, on va faire ce qu'elle nous dit, hein. On va suivre les petits macaques. Eh oui, je suis là. Ah, d'accord. Hop. Ouf, le tug. Mais ce tue. Oh là. Hop, on continue notre petite avancée. Oula. C'est-à-dire, enfin, on va juste voir. Devine ce qu'il y a là. Oula, 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 oula. C'est quoi ça? Ok, coup de bol. D'accord, c'était pas prévu ça. Il y a un truc qui a dépassé. Oh. Ah oui! Ah oui, ah ça va mieux. Je n'arrivais pas à sortir, j'avais le bas du truc côté, enfin bloqué. Mais heureusement, tu m'as tiré de là, merci beaucoup. J'ai failli te mettre une épée dans la gueule, c'est tout ce que j'ai failli faire. Personnellement, je suis ici à la recherche de quelque chose de bien précis. Jeune homme, tu n'es certainement pas venu en ce lieu par hasard, je me trompe. Pourquoi ne pas explorer les environs ensemble? Cela ne sera peut-être pas, mais je peux être très utile. Si tu retrouves coincé, je peux te téléporter à l'extérieur. Alors ne me considère pas comme un objet inutile de plus. Essayons de faire un bon ménage. Baba est devenue une amie. Elle peut vous faire sortir d'un donjon où vous y ramener dans la pièce où vous l'avez utilisée. Assignez là B sur l'écran au moins. Oui, patati patata. Ok, bien, on a un nouveau compagnon. On a un nouveau compagnon, Baba. C'est plutôt pas mal. Hop, voilà. On peut tout. Qui était dans un pot, donc ça. Je me rappelle assez bien de Baba. D'ailleurs, si vous connaissez pas le display, après on va la voir très très souvent. On peut passer par là, mais on peut passer par là aussi. Par là aussi, à quoi? Je sais pas, attendez. Hop, tac. Ouais, dans tous les cas, on pourra rejoindre.
Oh là, ok, on n'a rien vu, on n'a pas vu ce que l'araignée vient juste de faire devant nos yeux. Oui, oui, d'accord, c'est gentil. Ici on peut passer, ok. On va voir la porte un peu là-bas. On va avoir plutôt l'eau en bas. L'eau est vraiment bonne aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est ouh. On a direct envie d'y faire un saut. Non, je rigole évidemment, je me suis complètement fail, hein, si vous avez pas compris. Bref. Du coup, hop, on repasse, on fait ça, on refait ça, hop, vous regardez bien, tac, porte, direct, on rentre. Et les plateformes bougent pour nous laisser passer, c'est un miracle, nous sommes le dieu du vent. Bref, nous ne sommes pas dans Wind Waker, mais bien dans Twilight Princess. Petite référence aux autres jeux Zelda, bref, j'en ferai souvent, hein, parce que j'adore cette licence, comme je vous l'ai dit. Du coup, il y a un petit coffre, là, il y a un petit coffre. Vous obtenez une petite clé, elle permet d'ouvrir une porte verrouillée des alentours. Ah, ça c'est nice. Et là, on peut rien faire, peut-être, en faisant ça. Mais je. Étant donné que c'est l'arbre qu'on va avoir ici, ce n'est absolument pas ça qu'il faut faire, les amis. Du coup. Voilà. Ok, ok, donc ça on est passé sans encombre. Du coup nous allons pouvoir ouvrir la porte qui se trouve ici. Excusez-moi, je réglais juste mon micro. Aussi, il faudrait peut-être que je vérifie un truc parce que je crois que je ne l'ai pas mis en route. Non, c'est bon, la vidéo se déroule parfaitement bien pour le moment, je suis content. Voilà, donc on ouvre. Ah, un deuxième macaque qui est enfermé, dis donc. C'est assez rien. Un mac. Oula. Ok, j'ai envie. On a aidé. Ah bien. On voit qu'il a mangé de la confiture lui. Non. Non mais. Non. Non plus. On peut pas lui mettre le feu. Alors, attendez, on va le pêcher. Moi je dis le pêcher, c'est la meilleure solution. Non. Merci. Pêche. Non. Bon. Ah, oula. Wow, le mec. Il sait pas que dans les jeux Zelda on peut faire des roulades. Voilà. Hop. Ouais, c'est ça. Allez, tombe. Oh. Il a pris tellement cher, mon dieu. Les gens, il a pris tellement. Oh. J'adore leur épée fait de bois. Ils sont mignons. Ouais, je comprends que la dèche pour tout le monde, quand même. Vous êtes des bons, ce con. Oui, bravo. Ah. Du coup, il faut les suivre aussi. Mon dieu. On se fait diriger par des singes, tout va bien. Hop. Et un. Ah ah, les deux. Intéressant. Non plus. Oui, merci. Voilà, tranquilloute, pépéroute, tout se déroule magnifiquement. Ok, du coup, maintenant qu'on a deux singes, on va voir si on pouvait pas accéder de l'autre côté cette fois-ci. Oh non, mais genre. Oh, si on peut pas accéder de l'autre côté, sérieusement, ça serait plutôt pas mal. Oh, on dirait que je suis Dark Link. Comment vous me suivez, les gars? Ok, monsieur, tout va bien. On aurait l'impression avec les vêtements mouillés comme ça dans le noir que j'étais Dark Link. C'était pas mal. Du coup, donc toi, tu te places. Tac, hop. Et là, est-ce qu'on peut pas y aller là maintenant? Oui, voilà, gentil. Voilà, hop là. Du coup, on peut accéder à là en brûlant la toile dernier. En brûlant la toile dernier. Merci. Tac. Et on ouvre. Ah, par contre là ils veulent pas nous rejoindre. Du coup on va continuer en solo parce que une salle assez énigmatique. Oula, lui il est rouge. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Ok. Donc lui, on peut lui couper sa tête, c'est tout à bien. Enfin, le mec il s'en fout un tout petit peu. D'accord, donc ça veut dire ne monte pas. Ok. Alors là je vous jure j'ai rien touché. Je demandais juste de monter. Ouch. Je suis mal en fait.
Ah d'accord, ok. Oui donc ouais. Ils avaient une gueule, du coup il fallait en mettre une petite bombe dans la tête. Et du coup ils explosaient. On peut passer. On peut passer. Ah là aussi il faut une bombe. On va aller en chercher une du coup. Ça va, allez, avec moi. Merci. Tac, 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 tac. Allez, encore, 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 encore. Voilà, nickel, chrome. Du coup, on a pu débloquer une nouvelle salle. On va y aller bah, maintenant, quoi. Oula, cette salle a l'air assez grande. Elle a l'air assez stylée, tout de même. Et il y a un autre singe. On peut délivrer un autre petit singe. Donc lui on va le délivrer, ça y a aucun problème du coup. On va descendre vite. Wow 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 wow, qu'est-ce qui se passe? Non, méchant, méchant, reméchant, merci. Du coup. Ah, on peut monter là? Non. On peut faire quoi? On peut rien faire. Alors. Il y a juste un seul truc. Il y a juste un seul truc qui me stresse. Ok. D'accord. Ouais. Non, c'est cool. Ok, donc du coup, on peut monter en haut. Ceci s'appelle un pléonasme. Oui, je sais. Parce qu'on ne peut pas monter en bas non plus. Ça, c'est formellement interdit. Mais malheureusement, je crois savoir ce qui va pas. Parce que. Vous avez pu voir un coffre pendant que je montais. Oh, 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 shit. Oh, mon dieu. Mais, pourquoi tu vas pas prendre de dégâts, toi? Voilà, hop, merci. Voilà, comme ça, il fait bon loin. Ouais. Ouais, 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 c'est bien ce que je pensais. On peut pas y accéder. Là-bas, il y a un petit coffre, on va voir. Alors, je pense que la petite clé, regardez. Regardez, regardez, regardez. Voilà, ici on a une petite entrée avec un petit coffre bleu. Enfin, un petit coffre, entre parenthèses. Un coffre bleu, et je crois que c'est là où se situe la clé pour sauver le singe. Donc, ça faudra aller le chercher. Allez, la chercher pour aller chercher le singe. Merci, hop. Tuc. Et un petit rubis rouge qui vaut 20 rubis verts. C'est notre tout premier de l'aventure. Ça, pas mal. Du coup. C'est à dire qu'il faut descendre les plateformes, mais ça, oula. Bonjour. Peut-être que la petite clé se trouve par là au final, je dois dire que de la merde en fait. Mon dieu, hé, hey. Hé, hey, oh. Oh. Mais, je me fais troller par le coffre. Merci. Tonne des gentillesses, on est une seule. Ah, mais non, mais la petite clé elle est là au final, on a failli partir. Franchement, on a failli partir sans avoir le simple. Bon, je pense que, comme je vous disais, le coffre en bas, ça doit être un fragment de cœur, parce que, pas pour que ça ait si peu d'importance, mais pour que ça soit là, comme ça. Et je pense qu'on aura après la possibilité d'éteindre le feu avec le boomerang du mec, là, qui... Bref, voilà. Vous verrez tout à l'heure, ou peut-être dans le prochain épisode, je sais pas. On a possibilité d'éteindre le feu. Yay. Il est content. On va juste détruire les jarres, parce que c'est notre passion. Faut pas oublier. Il a un truc sur la main. Enfin sur le bras. C'est quoi? Oh, aucune idée. Oui, on aura possibilité d'atteindre le feu. Et quand on l'allume, ça fait monter les plateformes. Du coup, quand on l'éteint, on peut imaginer que ça les fait descendre. Bref, du coup, on fera descendre la dernière plateforme pour récupérer le coffre qui est derrière. Comme ça, ça fera plus nickel. Voilà quoi, on aura fini tout le temple. Enfin, ouais, on aura fini tout le temps, tous les coffres, pas de type, pas de terre, du coup, donc là, vous, les filles. Ouais, d'accord. Wow, 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 le mec. Tout va bien, le singe qui est tombé d'une manière absolument dégueulasse. Allez. On peut se trimballer là. Ah, un autre singe aussi est bloqué. Ouais. Il y a un truc dans le dos. Ah oui, c'est le singe. Oh, la petite clé. Ah bah, plus la petite clé. Oh, le mec. Sérieux? Non. Ah, on dirait que c'est un mini-boss. Sérieux? Attends, t'es fou de moi, là. T'en
train de te foutre de moi. C'est... Tu sais que faire ça. Tu sais foncer vers les gens. Allez, allez, allez. Mais TG. Mais TG. Sérieux. Mais... Oh, allez, meurs. Fais un truc. Tap, tap, tap. Et tap, 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 tap. Je sais même pas si on lui fait mal. Ah si, oui, bon, ouais. Du coup. Donc ça, c'est... Ça ressemble à une fleur, à la fleur de tout à l'heure, où on lui avait mis une bombe, en fait, dans la tête. Du coup, on va refaire la même chose. Okay. On arrive à prendre un dégât, merci. Hop, on va faire exactement la même chose. Quant à ça, merci. C'est gentil, c'est très sympa de ta part. D'accord, pourquoi il y a... Bref. Navi nous fait n'importe quoi, enfin, la petite fée nous fait n'importe quoi, il y a des petits triangles jaunes autour, c'est joli, c'est malin. Du coup, on a accès à la petite clé, ça c'est génial. Oh, ça peut pas la ramasser tout seul. Vous obtenez une petite clé, merci bien. Du coup, les amis, regardez, notre petit quatrième singe, tac, hop là. Voilà, donc on a 4 singes déjà, ça avance. Ça avance, et je crois que si mes souvenirs sont bons, il faut tous les avoir pour pouvoir accéder au boss du temple. Au boss du sang, mais ça, je pense que ça sera dans le prochain épisode, les amis, parce que il commence déjà à se faire long, 30 minutes, c'est pas mal. Je pense qu'on va continuer jusqu'à avoir l'arme de ce temple. Ouais. L'arme de ce temple, et après, je pense que nous allons nous laisser là. Mais bon, c'est pas encore terminé. Du coup, oula, j'ai 4 singes derrière moi, tout va bien. Oui, non, non, plutôt non. On a loupé un petit passage. Il y en a qui veulent plus me suivre, c'est fini. Je crois que tout à l'heure nous avons manqué un peu, parce que nous avons pu voir qu'il y avait une petite bombe là-bas. Du coup, par là, on monte. Allez. Il est un peu long hein, quand même à monter les liens, mais bon. On ne critique pas. Voilà, il y avait une bombe là. Et je crois qu'elle sert pour... Ouais, là. Oh shit! Oh mon dieu, faut pas que je me réfère au bouillon, hein, sérieusement. Parce que si vous voulez, l'image de ma vidéo, enfin de la télé, est en décalé avec l'image que je reçois. Voilà! Que je reçois sur. Enfin, l'image et le son que je reçois sur mon ordi. Du coup, je me fie pas au son pour les montres, ça fait pas. Du coup, hop! Ça nous a permis d'avoir un petit coffre là. Et dans ce coffre, il y a. Wow! Il y a un fragment de cœur! Trouvez-en 3 autres pour accroître un cœur, votre énergie vitale. Nickel, ok. Là, c'est plutôt cool. Aïe, c'est plutôt cool. Du coup. Faites voir. Je pense que maintenant, on peut passer. Sérieusement, je crois qu'on peut passer là où ils nous avaient coupé le... Ouais, c'est ça. Ils vont nous faire passer là où le gars il avait coupé avec son... Enfin, où il avait coupé le pont avec son petit boomerang à la con. J'ai failli tomber, toi bien. Du coup. Voilà. On fait les petits singes. Nous allons pouvoir ensuite accéder à l'autre partie du temple. Parce que là, ce n'était que la première partie. Celle qui se jouait uniquement avec les singes. Mais maintenant, nous allons rentrer un peu plus... dans l'univers du temple sylvestre. Hop. Et Wanous. On a un acrobate magnifique, j'ai fait tomber, mais bon c'est pas grave. On a rien vu, ça ne s'est pas produit. Et du coup les amis, non, on peut pas passer par là. Dans tous les cas, on arrive, oula, dans une zone assez spéciale. Ouais, c'est une zone assez spéciale. Parce que étant donné que ça fait ça, oula, ouais, carrément spéciale. Là, niveau spécialité, ça envoie dur. Et voilà notre cher ami le bimbouin aux fesses rouges. Ainsi que son petit boomerang adoré. Ah ouais, donc le mec il nous envoie des pans de piranha, enfin des Baba Mojo à la gueule. Tout va bien. Non, mais vraiment tout va bien. Non, mais toi tu vas prendre cher, mon grand.
Je vois pas comment ce qui va se passer là. Aïe. Oh, j'ai pété ma manette contre la table, tout va bien. Ah ouais, donc je crois que du même principe que la cage, regardez, hop, voilà. Tac, on doit le faire tomber comme ça. Là, tape les fesses, ah oui, mes fesses, allez, mets une fessée, et me rend. Allez. Et ouais, tu souffres, ça fait mal une épée dans les fesses, hein. Et ce combat ridicule qui fait comprendre ça, mais sérieusement, Link s'est dégradé. Link dans mon esprit a complètement baissé. Pardon mon esprit. Dans mon estime a largement baissé. Ce mec. Allez, hop, coupe. Fais-moi une ribambelle de fesses. Oh, normalement c'est que 3 fois. Hein. Sérieusement, il m'arnaque là. Pardon. Ah, merci. Allez, hop, coupe. Voilà. Ah ouais, le mec est un peu bête, quoi. Bref. Oh, c'est quoi ça? Ah, ok. Donc, c'était pas lui, en fait, qui était méchant, mais c'est cette petite bête. Ouais, c'est ça. C'est cette petite bête qui contrôlait son esprit. Yo. Oh, le mec. Ça se voit, ok, donc... sans pression, tu sais, il est en train de nous agresser. Mais sans pression, il se barre. Tout va bien. Et voilà, le pouvoir de contrôler le vent. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang. Oh mon dieu, la destinée de merde, sérieusement. Vous m'avez libéré de cette force magnifique, et grâce à vous, j'ai pu recouvrir mes vrais pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Si vous concentrez votre force avant de relâcher le boomerang, la force du vent pourra vous venir en aide de bien des manières. Ouais, nous pouvons ramasser les feuilles maintenant. Ok. Bah du coup, nickel. On a un petit... Ok. Bon, les singes ont eu ce qu'ils voulaient, je suppose. Tu as trouvé un objet bien pratique, ma foi. Retourne dans les salles que tu as déjà visitées et continue tes recherches. Voilà, du coup, nous avons le pouvoir, les amis, d'éteindre le feu, ainsi que de faire bouger les plateformes, du coup, à notre guise. Et vous voyez ça, les petits machins là. Regardez, hop, ça devient des petits triangles jaunes, et là, chouic. Voilà. Du coup, nous pouvons sortir tranquillement de cette salle. Le truc est en train de me faire mentir là, on est d'accord. J'ai dit tranquillement. Merci, voilà. Voilà. Du coup, on peut retourner en arrière, on peut visiter ce qu'on pouvait pas visiter avant. Ça, c'est génial. Du coup, je pense que les singes appelaient Alpha ce macaque là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et écoutez les amis, donc je vous ai dit qu'on allait s'arrêter quand j'aurai l'arme de ce temple. Et bien écoutez, c'est chose faite. Et puis là-bas, nous pouvons voir qu'il y a un autre singe qui attend d'être sauvé. Du coup les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. On va partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Salut tout le monde, c'était Italo.